Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode en Let's Play sur The Outlast Trials. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate, parce que moi ça va super, je suis hyper heureux de vous retrouver pour la suite de l'aventure. Je suis encore tout seul, je suis pas encore en coop. Je pense que je vais faire un épisode en coop. Pour l'instant, je préfère rester seul en fait. Pour la simple et bonne raison que comme je découvre le jeu, je suis plus à l'aise quand même quand je suis seul. Mais j'ai pour projet de quand même faire venir un invité, un ou deux invités d'ailleurs peut-être, pour la coopération et pourquoi pas des abonnés. Comme ça m'a été suggéré par plusieurs d'entre vous. Voilà, n'hésitez pas à poser votre petit pouce bleu en guise de soutien, à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications pour ne rien rater de la suite de l'aventure. Et puis si vous aimez les let's play, sachez qu'il y en a un bon paquet sur ma chaîne YouTube. On en fait quand même très souvent et sur divers jeux, plutôt orientés action quand même, action, horreur, survival. Mais voilà, des fois il y a des styles un peu différents. Posez votre petit pouce bleu, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis, eh ben, on va pas perdre de temps. On va enchaîner avec la suite de l'aventure. Je vous invite à voir le premier épisode qui est sorti hier. Et puis, hier soir. Oui, il y a quelqu'un? Yo, il y a quelqu'un? J'ai entendu une voix. Alors, on est dans un énorme complexe. Avec plein d'autres personnes. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Non. Avec plein d'autres candidats. Alors, eux, c'est pas des... Ah, peut-être que lui... Ah, voilà. Lui, par exemple, c'est un joueur en ligne. Vous voyez, ça dépend. C'est comment ça se passe? Le terminal. Ok, Dexter. Très bien. Sélectionnez une épreuve. Équipement. Au fur et à mesure de votre progression dans la thérapie, vous pouvez gagner des outils et des médicaments pour améliorer votre expérience. Utilisez un équipement pour organiser et activer votre régime idéal. Alors là, ça change quand même. Ça change drastiquement avec les premiers Outlast. Tout ce que vous faites est suivi par nos scientifiques. Consultez cette page pour voir vos performances. Oh là là, niveau de thérapie 1. Ok, preuve. Des documents illicites de Murkov sont dispersés dans les épreuves. Trouvez-les pour découvrir l'histoire secrète du centre Signala. On n'a aucun document. Ok. Très très bien. Ah, on peut faire des glissades? J'ai vu qu'il pouvait faire des glissades. Là, il faisait une glissade, lui. Comment il a fait? Ou alors, il a appuyé sur A? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est, ça? De l'autre côté de cette porte se trouve la souveraineté, le pouvoir, l'histoire de demain. Ok, d'accord. Okay. Fais confiance à la thérapie. Alors, utilisez le terminal. Ah non, on l'a déjà utilisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Franchir cette porte. Quelque chose de merveilleux. Il y a l'air d'avoir quelque chose là-bas. Parce que je sais pas vraiment où aller. Ah non, ça c'est ma cellule. Personnalisé, non. Personnalisé, non. Ça c'est ma cellule. J'étais dans ma cellule. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lancer? Vous pensez qu'on va là? Ah bah eux ils ont pu y aller, moi je peux pas y aller. Non, je pense que ça doit être ça. Utiliser le terminal. Sélectionner une épreuve. Ah ça y est, programme 1, poste de police. Oh là là, oh là là, on va faire le programme 1. Ok. Tuer le mouchard. On peut pas encore. MK défi, ok d'accord. Les faux témoins ne doivent pas répandre leur fausse vérité. Emmenez le mouchard dans la chambre d'exécution et faites-le taire. Préparation de l'épreuve. Ça prépare l'épreuve. Et puis là, va y avoir une petite capsule qui va être dispo pour moi. L'épreuve est prête, veuillez entrer dans la navette. La navette est prête à vous emmener à l'épreuve. Oh là là, oh là là, ça me fait un peu peur. Je suis pas rassuré.
Wouah, police station. Faut s'asseoir. Je suis tout seul, je pense que j'ai pris des risques. Tu es l'exterminateur. Nous sommes les seuls à pouvoir te dire ce qui est vrai. Il y a un mouchard à l'intérieur de la prison qui se prépare à témoigner contre notre vérité. Tue le mouchard. Et nous te laisserons sortir. Et oui, il cherche à prendre le contrôle. Enfin, oh là. Ça c'est pour m'endormir. Ouais, c'est pour m'endormir. Oh, il y a quelqu'un. C'est quoi ça? Tu es le mouchard, poste de police. Infiltrer le poste de police. Se cacher. Ah, on peut se cacher dans le coffre de la voiture. C'est super. Aïe, ça commence. Wouah, ça m'a fait peur. Mais ne nous inquiétons pas, tout va bien. Permet de créer des distractions. D'accord, intéressant. J'ai un crochet. Et le crochet sert à quoi? Ouvre les conteneurs verrouillés. Ok, lui a pas l'air de me poursuivre. C'est quoi ce bruit? C'est bloqué. Je peux peut-être aller par là. Oh là là, il y a un truc qui est sorti. On va. Je suis rentré. Je suis dans le commissariat. Infiltrer le poste de police. Ok. Je suis dans le commissariat, les amis. Antidote. Ok. Ça me plaît bien. Faut aller là. Il y a un bruit bizarre, hein. Ah, c'est fou, épouvantable. C'est épouvantable. Il y a une mine ici, donc on va pas y aller. Alors. Ouah, le cri qu'il fait. Pourquoi il va sur moi? Quelqu'un va nettoyer ce bazar. Oh, j'en avais pas je vu. Je vais te montrer la liberté. Je vais courir. Courir. Cul de sac. Je peux escalader. Essayez cette merde dans mon jardin. Non. N'ouvrez pas la porte. On va rendre ça amusant. Non. Ce
C'est pas en espérant qu'on y arrive. Je peux partir par là. Oh, c'est tout aussi peu éclairé. Dites-moi qu'il y a un accessoire, un truc comme ça. Super. Ah mais j'ai plus le crochet du coup. Ok, ok. Wouah, lui il est dans un sale état. Je vais plus avoir de piles hein. Oh. Par contre j'ai le moyen de faire une diversion. J'ai le moyen de faire une diversion. C'est bloqué. Faut que je m'enfonce plus. Il voit pas. Il ne voit pas. Oh mon Dieu, c'était quoi ça? Ok, super. Super, super. Les cocos l'ont bien cherché. C'est pas comme ça que non. Je non. C'est de courir. D'accord. On va le faire durer. Vous trouverez tous, bande de putes. Oh la vache, quelle vulgarité. Va te faire foutre. Sois tranquille. Il y a une mine. Il y a une mine. Oh, t'es trop rapide. J'essaie de courir mais j'ai plus d'endurance. Je fonce par là. Oh. Oh là là, sauvé, j'ai été sauvé. Qu'est-ce que c'est chaud! Qu'est-ce que c'est chaud, mais qu'est-ce qu'il est bon le jeu! Oh ok, doucement! Wouah! Oh non! Dieu, on n'interrompt pas une enquête en cours. Qu'est-ce que c'est? J'ai ça à la thérapie. Docteur Stone. Est-ce que je suis bien? S'il vous plaît. J'ai marché sur du verre. Je vais voir si je peux déverrouiller là. Comme ça, ça me fera un raccourci. Crochet nécessaire, bah j'en ai pas. Non, 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 je vais m'éloigner de la bombe. Y'a quoi là? Oh, j'ai cru que c'était une grenade. Mais là, ça me mène tout droit. Ça me mène tout droit sur le gardien électrique là. Hein. Waouh, j'ai eu un petit coup de... Ça sert à rien, on va pas y toucher pour l'instant.
Où est-ce qu'il est, le mouchard? Poussez le mouchard! Ah non, mais c'est sadique, ce truc! Mais... Bah oui, bah oui! Vous pensez que ça aurait été simple? C'est terminé! J'ai affrété ce que je pouvais affronter, c'est promis! Je suis obligé de faire ça! Pas dans mon Amérique! Extinction du feu! Non! Quoi ça? C'est un crochet! Je vais plus avoir de piles. Je ne vais plus avoir de piles, les amis! Oh, une pile! Oh, une pile! Une autre pile! Non, c'est quoi? Aïe. Encore une pile. On va laisser le petit médicament ici. Attention. Ok, 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 ok. J'ai eu chaud. On va laisser... Ah, ça, c'est une grande batterie. Non, ça aussi. Bon, c'est la même chose. Ok, très bien. On va garder la bouteille. Par là. On est là pour te protéger jusqu'à ce que tu aies absorbé suffisamment. Ah ouais, d'accord, ça c'est glauque. Glauque, glauque, glauque. Très glauque. Bouteille de soin, non. Ça me semble trop simple. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Parce que sinon c'est pas drôle si la porte tient pas. Tiens, je veux dire. Une brique. Bah non, on n'a pas besoin de brique. À quoi pourrait servir le bidon d'essence? Ah! Ok, on va passer par là. Je peux pas. Une mine. Je vais voir si je peux pas me cacher dans le coffre. Une bonne sonde est un dispositif d'entrée et de sortie à la fois. Même chose pour un médicament. Non! Tu me gâches. Désolé, plaisir, je referme. Connard. Qu'est-ce qui te rend si nerveux? Non! Qu'est-ce qu'il est intelligent! C'est quoi ça? Ah, je suis dans un état de psychose!
Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Sinon, c'est vraiment pas rigolo. Oh, super. Un antidote. Alors, je vais pas cracher sur l'antidote. Je vais pas cracher sur l'antidote, mais vous allez voir en fait. Que. De toute manière. Je vais pouvoir récupérer. Non ! Qu'est-ce que tu crois que tu fais là ? Non ! Il y a un autre truc ! Je me cache là ? Oh, si ça marche. Oh là 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 ! Je claque des dents, je claque des dents ! On peut sentir la racaille gauchiste. Et la pourriture. C'est un de ces acquittements provisoires. Une porte là-bas. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un scientifique qui me regarde. C'est probablement un scientifique qui me regarde. Ajouter du carburant. Oh les salauds. Aïe. Bonjour. Jésus prend la suite. Tu as enfin bougé ta peine. Je cours. Demi-tour. Il y a du carburant. Allez. Je crois qu'un crime est en cours. Non. Fils de pute. Jamais faire confiance à un fils de pute. D'accord, il faut... Arrêtez d'être vulgaire. Vraiment. C'est pour ça qu'on peut pas avoir de jolies choses. Plus de batterie. Ah, c'est pas vrai. J'ai plus de batterie. Rien, je me suis retrouvé sans pile. Je suis ton médecin, ton avocat et ton prêtre, bébé. Il semble. Je te baisse de trois façons différentes. Très très proche. Il semble extrêmement proche.
Je suis désolé, je n'ai plus de batterie. Mais ça, ça me pendait au nez, hein. Ça me pendait au nez. Oh là 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 là, le coup de pression. Y'a un mec. Je vais aller vers la... non, antidote, non. Peut-être qu'il y a une pile là-dedans. C'est quoi, c'est une pile? Oh, grosse batterie. Un autre crochet. Me semble. Ça, c'est une autre batterie. C'est bon à savoir. Déverrouiller. On est comment au niveau de la vie? Ouais, on va peut-être déverrouiller. Aïe. Ouah, c'est chaud, hein. Chaque fois, ça se joue pas à grand chose. C'est quoi ça, hein? Adrénaline. Ok. J'aurais peut-être pas dû utiliser les grands médicaments. Je garde la bouteille. Comme une statue de Jésus sur mon tableau de bord, je vais la laisser briller. La loi te mettra à genoux. Tourne pas à droite. C'est briller. La loi te mettra à genoux. La question c'est où est-ce que je vais mettre du carburant maintenant? Celui-là c'est fait. J'essaye d'économiser en fait. C'est quoi ça? Chargeur de machine. Chargeur de machine réinitialise le temps de recharge de votre machine. Je sais pas ce que c'est. Pas de machine équipée. Donc, bah, j'ai pas de machine, donc je saurai peut-être ce que c'est quand j'en aurai une. J'essaye de me détendre, hein. De rester très très calme. Il y a quelqu'un qui arrive avec la scie. Il y a la dingue de la scie, je crois. Ouais, il y a la dingue de la scie.
tes limites tant que tu les auras pas dépassées. Les contraintes chimiques te libèrent des distractions de ton corps. Laisse ton esprit sortir de sa cage. Bouge plus. Si je ne bouge pas, normalement, il me voit pas. Il me voit. Sois cool, salope. Sois cool. Ça va aller. Ça va aller, j'ai un antidote. Où est le générateur? Où est le nouveau générateur? Le générateur, il est là-bas. Je suis un fou. Je suis un fou. Oh, attention! Je suis pas bien. Oh là là là, je peux regarder sur le côté. Pas l'adrénaline. Prends tous mes toys. Préparer les deux circuits, les circuits des deux côtés. Quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Je le vois, j'ai pas besoin de... Pas besoin du tout. Comme une statue de Jésus. C'est bon. Sur mon tableau de bord. Il y a un dingue. Qu'est-ce qui te rend si nerveux? La loi te mettra à genoux. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour m'en sortir? Le jeu est vraiment vraiment bon. Hein.
allez avoir besoin d'arracher ce pays de mes doigts brisés, enfoiré gauchiste. On peut sentir la racaille gauchiste. J'adore les dialogues. Ok, je reconnais. Je reconnais complètement. Dites-moi que c'est bon. Let's go, let's go, let's go. Retournez au mouchard. Je suis affranchi d'honnêteté et d'intégrité. Je vais te montrer. On va cramer. Faut fermer. Soulève! Soulève! Ouh. Oh là 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 là, c'était chaud! Je peux pas passer par là. Je peux pas passer par là. Failli me cogner celui-là. Je parlais que c'est rien. Je dirai tout ce que tu veux. Je veux dire ce que vous voulez. Dites-moi juste ce que vous voulez que je dise. Juste ici. Qui? Oh mon Dieu! Allez, allez, allez! Saleté de mouchard, tu nous as trahis! Je ferai tout ce que tu veux. Fais-moi juste... juste sortir d'ici. S'il te plaît. Tu sais que tu peux pas leur faire confiance, pas vrai? Trouver la clé, observer la télé pour trouver un indice. Indice cœur. Cœur. Bah faut aller regarder dans son cœur. Oh, comme c'est... Oh, bah oui, on adore. Oh, on adore. Eh bah, la voilà avec les cœurs. Moi, quand on me parlait avant de les cœurs, je pensais à Resident Evil 2. Oh, mais il repart. Hop, 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 tu repars pas. Qu'est-ce que tu fais? Écoute. Je sais ce qui va se passer. J'ai été à ta place. T'es pas obligé de faire ça. Violence extrême. Allez. Faites tout ce que mon corps vous voulez. Comme toi. Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Fuyez! Non, non, il peut pas savoir où je suis, il peut pas savoir où je suis. Sous-quartier, rien. Toujours rien.
Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire! J'espère qu'on pourra augmenter l'inventaire. Peut-être qu'en... Pas grave, pas grave, pas grave, je me cache, il va pas me trouver. Qu'est-ce qu'il est arrivé vite? Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Terrifiant ce jeu, il est terrifiant. J'ai remis la batterie, ok. Ça remet au max, hein. La grande batterie remet au max. Où est-ce qu'il est? Mais qui... Je crois que la cachette est déjà prise. J'espère qu'il m'a pas vu. Je pense que c'est mort. Coucou! Non! Je vais vous expliquer. Il est nu. Il est nu. L'homme est nu. Voilà ce que ça t'a fait d'être un gosset. L'homme est nu. Je fais... J'ai fait... Oui, non. J'ai fait face à une étrange vision, là. Excusez-moi. Oh! Je me suis pas trompé. Je me suis trompé de côté. Non, c'était un piège. Il est là. Il est là, je le vois. Dites-moi, il me faudrait une bouteille. S'il se prend la bombe, lui. Clé feu. J'ai besoin de la clé feu. Je répète, j'ai besoin de la clé feu. Ok, je vais... C'est terrifiant. J'en peux plus. Moi que c'est la clé feu. Oh, c'est la clé feu.
Ok, trouver la clé 2, indice, donc clé feu. D'où l'importance de le faire en coop. Là, je comprends mieux. Ok. Notre. J'ai trouvé une autre clé. Observer la TV près des portes. Ah, pas bon cadavre. Ça m'a mis. Je souffle un bon coup. Allez, j'avance. Attends. Francis, qu'est-ce que tu fais? On est pas comme eux. Tu n'as pas besoin d'être comme eux. Je croyais que c'était un boulot. J'ai vu l'affiche. Le centre de recrutement. Je voulais juste travailler. Très compliqué, je parle comme ça. Il y a encore quelque chose dans la veine. Clé lapin. Oh là 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 là, la clé lapin. Et après ça doit être la clé lune, je pense. Ah ouais, il y a une clé là. Œil. Pas la bonne. Ça fait du bruit. Ça y est, ils envoient quelqu'un. Ils envoient un nouveau mob. Caro, oh là là. Étoile. Je peux pas partir par là. Là. Ah oui, d'où l'importance, j'ai compris. Il y avait un piège.
Oh non, mais c'est pas vrai. Je vais jamais le trouver. Je vais jamais trouver. Oh, une grande batterie. Un enchangeur de machine. Ça me sert à rien. Clé trèfle. On a besoin d'une clé trèfle. Je l'ai vu la clé trèfle tout à l'heure. Ok, elle a même été affichée. Oh, une batterie. C'est une batterie ou c'est un changeur de machine? Mais j'en peux plus. J'en peux plus, moi, des changeurs de machine. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je pars à la recherche de la clé lapin. Donnez-moi une clé lapin. Ah, je sais où on est de retour là. Oh, une pile. Parfait. Ok, 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 ok. Encore un changeur de machine. Ils envoient un mob, ils envoient un mob. Aïe, 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 aïe. Il est là-bas, le gros machin, là. Dans la cafette, il y a peut-être le clé lapin, la clé lapin. Pas par là. Regardez les pièges, vous croyez que je vais me faire avoir? Non. Oh là là. Là je vois un point d'interrogation. Ouais, ouais, ouais. Ah, pitié que ça soit la clé lapin. Je sens que ça va être la clé lapin. Clé lapin! C'est glauque. C'est très glauque. On a toutes les clés. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous avons toutes les clés.
Les amis, c'est parti. Qu'est-ce que t'as dit, Stone? Quoi qu'il ait dit, il ment. Je suis comme toi. Je suis un des vôtres. Pourquoi tu voudrais me faire du mal? On en reparle après. Ouais, non, j'ai cru là, j'ai un peu trop cru. Mais il défonce pas les portes très vite. Faites tout ce que mon cas voulait. Comme toi, je devais être meilleur. Je vais être libre et puissant. Regarde dans quelle merde je me retrouve. Je pense que me faire du mal te fera sortir d'ici. Sale merde pathétique. Et tu crois encore qu'on ne fait comme le cosac buté. Ou ils vont te faire du mal jusqu'à ce que tu rêves de crever. Ouais, je vais t'expliquer. Je vais tout t'expliquer, Georges. Je crois que j'ai passé un palier. Je l'ai appelé Georges, je sais pas pourquoi. L'autre qui commande pour moi, il dit oh là là, il est derrière toi. Mais il est vraiment derrière moi. Mince.
Ok. Allez, c'est une ligne droite. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Il m'a pas vu. C'est terrible. Ah ouais, mais je prends des risques. Je prends... Laissez-moi partir. Je suis épuisé. Purée, je suis épuisé. Donnez-moi des soins là, donnez-moi des soins. Donnez-moi des soins. Bah c'est toujours mieux que rien. J'avais trop peur. Antidote. Oh, antidote peut-être va m'aider. Les lieux sont absolument magnifiques. Ce qui m'embête vraiment, c'est l'histoire des soins. J'ai laissé des remèdes à des endroits, mais je sais pas où. C'est bon. Tu vas pas vraiment faire ça. On est quasiment au bout. On est quasiment au bout. On est là. Oh non. Non. Mais tais-toi.
Faut le tuer, faut le tuer, faut le tuer! Mais non! Oh mon Dieu! Ne fais pas ça! Aidez-moi! Non! Tais-toi! Quelqu'un m'aide! Essayez de foutre le camp, je vais essayer de foutre le camp! Il peut pas savoir que je suis là! Te chercher. Tu es né coupable et tu vas mourir coupable. Mais comment je peux m'en sortir? Vite, vite! Comment je peux m'en sortir? Comment je peux m'en sortir? Mais non, mais il peut pas savoir que je suis là! Il ne peut pas savoir que je suis là! Personne! Oh non, non, non! J'aurais dû me mettre dans le casier. Vous pouvez pas savoir que j'étais dans le coffre de la voiture. Je comprends pas là. Ça se calme. Ça se calme. Ça se calme. Oh ! Un remède. Enfin, j'aime bien le... Ah ! À prendre le changeur de machine, hein. Je referme ! Oh, il va pas apprécier que je lui ai fermé la porte au nez, lui, hein. Lui, alors lui, pour... Oh, ils vont te faire du mal jusqu'à ce que tu arrives. C'est pas vrai! On n'échappe jamais à la loi! Ça fout! Je reprends des forces, je reprends des forces. J'ai poussé le mouchard, maintenant il va... On ne fait pas de mal à mon... Non ! Je l'ai poussé ! J'ai plus qu'à l'électrocuter, les gars ! Non ! Je m'en fous. Je suis un fou. Dollars, des drogués, des clochards. Je m'en fous. C'est ton... Faites-moi la paix. On va y arriver. On va y arriver. Je vais l'électrocuter, moi, ce traître. Vous allez voir.
Vous m'aurez pas. Vous n'aurez pas mon honneur. Non, alors là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous n'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Il y a un antidote, je crois. Il y a un antidote ici. Il y a un antidote. Je me suis trompé de côté. Compliqué les levels, hein. Laisse-moi faire. Parfois, on peut pas faire de mieux. Ah, c'est épouvantable cette fin de level. C'est épouvantable. Une chance restante. Ce level est épouvantable. Ce level est épouvantable. Très très difficile, hein. Faut vraiment que ça se calme là. Faut vraiment que ça se calme. Il m'a vu! Mais il m'a vu! Qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi! N'importe quoi, je te jure! Vite, vite! Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais y arriver. Je ferme les portes.
comprends pas là sur l'électrocution. Ça suffit. D'accord. C'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Non, 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 il me reste une chance, une chance. Revenir à l'expérience, dernière chance. Quittez l'épreuve, retour à la navette, c'est où? C'est où? Aidez-moi! Ah, oh, c'est pas vrai! Non, tout explose! Oh, un antidote! Un antidote! Un antidote! Laissez-moi revenir, la navette elle est pas loin! La navette elle est pas loin! La navette elle est pas loin! La navette elle était par là! C'était par là. Le truc, c'est que je suis motivé à mort. Non! Je peux pas croire que je meurs. Je peux pas croire que je meurs. Je ferme. Je peux pas croire. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais non. C'est cher payé, hein. Aïe 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 aïe. C'est très cher payé. Ce deuxième épisode était quand même très intéressant. Le jeu est vraiment, vraiment, vraiment bien. Bien ficelé. Bien ficelé. Voilà, si ce n'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Ouais, j'ai complètement crash. Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est pas grave. Ou du moins, peut-être qu'après, on va avoir plus d'histoire dans les épreuves. J'ai l'impression qu'il faut atteindre le niveau 3 donc pour avoir la thérapie, de ce que j'ai compris. Écoutez, merci à tous de m'avoir regardé. Prenez soin de vous, on se retrouve pour l'épisode 3 très très rapidement. Posez votre petit pouce bleu en guise de soutien. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. C'était Dexter.